Venez! On tire des lumières, mais... C'est loin avec ton bâton. Calme.
validé, c'est qu'on a fait une tranchée pour drainer la pluie et le moins possible d'humidité au niveau des sols après. Mais alors les filles, donc une tranchée de drainage pour avoir le moins d'humidité si possible dans la maison, on va faire ça sur à peu près tout le tour. Et l'avantage, c'est qu'on peut récupérer directement la terre, résultat pour faire le terre-feuille des murs. Alors en général, on essaie quand même de récupérer les 5-10 premiers centimètres, parce qu'en général, c'est de l'humus. C'est une terre vivante avec des vers de terre, avec de la vie. Et ça, c'est plutôt intéressant de l'utiliser pour les cultures, pour ajouter sur les cultures et permettre une bonne vie aérobie de la terre. Thank you.
Ah ouais, l'autre elle a craché. Donc il faut toute la... Comme quoi, il faut vraiment faire attention aux fissures qui peuvent être dans la lame. Je vous la montrerai, l'autre. Elle a cassé net. Et voilà, il y a une porte. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est pas droit. Mais ça tient. Et en fait, illusion d'optique, c'est que la porte qui est droite. Tout le reste, justement, ne l'est pas. Alors bon. C'est vrai que c'est un petit peu énervant, c'est vrai que ça a été un petit peu fait à l'arrache. On aurait pu faire quelque chose de bien mieux. Mais après, il ne faut pas oublier que cette maison, c'est un prototype.